Alors, il s'agit maintenant de regarder le cours sur la forme exponentielle de z. Alors, je vous ai fait un petit dessin. Pour une fois, j'ai changé m de place. On le met toujours ici. Je vous l'ai mis là, mais ça ne change absolument rien. Alors, une petite révision. Donc, sa forme algébrique de la fixe de m, c'est z égale a plus bi. Si a est son affixe, son abscisse, et b son ordonnée. Bien. Alors, la forme trigonométrique, r cosinus θ plus i sinus θ, r c'est module de z ou om, θ c'est l'angle u om. Et la forme exponentielle qui est vraiment ressemblante avec la précédente, c'est r égale e i θ, mais qui est beaucoup plus pratique je pense pour vous, parce que je pense que vous maniez mieux les exponentielles que la trigonométrie. Voilà.